Wow! mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn yeah si vous de cette vidéo cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abonnement et vous simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir c'est très simple vous pouvez faire les dons via le moyen qui se trouve dans la description vous pouvez faire les dons via paypal notre banque et western union Bien! Yeah. Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire! Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyons Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go! professionnels. à tous! Le témoignage du monde sous-marin dans l'océan Indien. La dernière fois, j'ai expliqué comment je fus initié à la magie égyptienne, à vrai dire, l'Égypte antique est la base de la magie dans le monde et en Afrique. Après avoir évolué dans cette forme de magie appelée la magie d'Osiris, éventuellement j'ai signé un pacte avec le monde des esprits. Il faut noter qu'à chaque fois qu'un homme signe un pacte avec le diable, dans une certaine mesure, le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais les termes du pacte parce qu'il est un séducteur. Quand j'ai signé le pacte avec le monde invisible, il était écrit dans le parchemin, Vous nous aiderez dans le monde physique et nous vous aiderons dans le monde invisible. Le malentendu est que l'homme ne sait pas que le diable est pauvre. En fait, Dieu a donné à l'homme les ressources, de richesses, les capacités, les potentialités, et le savoir-faire. Et donc quand un homme va chez le diable pour la richesse, ce dernier ne lui donne que ce que Dieu lui a déjà donné. Quand un homme rend visite à Satan pour la richesse, ce dernier va regarder cet homme dans son chakra pour déterminer ce que Dieu lui a donné. Autrement il va regarder le ligne de la main de cet homme pour déterminer ce que Dieu lui a donné, ensuite il va rassembler l'argent et la richesse que Dieu lui a donné et va le remettre en une tranche. Raison pour laquelle ceux qui pratiquent la chiromancie, regardent dans le palme de la main de leur client, pour déterminer la richesse et les chances de leur client. Ainsi le diable va rassembler ce que Dieu vous a donné, et va vous le donner en une tranche. Quand quelqu'un devient riche grâce aux accords avec le diable, à vrai dire cet argent est son propre argent. Ce que Dieu lui a donné, je me rappelle après ma séparation avec Chantal, j'avais rendu une visite à un prêtre catholique, aussitôt que ce dernier me regarda avec ses yeux spirituels, il me dit, Hassan, tu vas vraiment souffrir et peiner sur la terre, car il n'y a plus rien pour toi, tu as utilisé tout l'argent que Dieu t'a donné, frère et sœur, tout homme qui est né sur cette terre, Dieu a mis dans sa vie la richesse, la gloire et les capacités, Dieu a calculé un budget pour lui, mais si vous n'êtes pas en Christ, dans une certaine mesure les satanistes sont capables de voler ce que Dieu vous a donné comme richesse et chance, mais le diable est un trompeur. Je me souviens d'un célèbre comédien dans notre pays, qui avait signé un pacte avec un démon de la comédie du monde de Pandémonium. Ce démon était le dieu de la comédie et de l'humour, celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Quand le comédien avait signé ce pacte avec ce démon, il ne savait pas qu'il y avait des termes et conditions qui étaient cachés dans l'accord qu'il avait signé. Par conséquent, ce comédien est tombé victime, parce que le démon de la comédie a tué son fils. Il a ainsi perdu son fils à cause de la célébrité. Le comédien comme Charlie Chaplin était habité par le diable lui-même, pour faire rire aux gens. Ceci arriva de même à un musicien congolais qui avait signé un pacte avec le démon de la musique. Dans ce pacte il était écrit qu'il devait cartonner dans sa carrière pour 50 ans, mais ce fut après 5 ans que son popularité s'était évaporée. Le démon lui informa qu'il ne reconnaisse pas le zéro derrière le 5. Ainsi au fur et à mesure que je dans la magie d'Osiré, un jeune homme qui me fréquentait me suggéra de correspondre avec le monde de sirènes situé sous l'océan indien, car nombreux sont des satanistes qui se marient avec les grandes dames de la mer, précisément ceux du royaume océanique gouverné par la reine Marachansi de l'Inde, dès que je suis entré en contact avec le monde mystérieux sous la mer. Je fus motivé et je me suis décidé de visiter ce monde des divas et de grandes dames de la mer. C'est alors que je me suis rendu au bord du fleuve. Après avoir récité des incantations et des prières magiques, soudainement il y eut un vent impétueux qui a surgi sur le fleuve, suivi de l'apparition d'un serpent énorme et mythique, et finalement apparut la reine Maharachansi de l'Inde, elle était debout au-dessus de ce serpent mystique. Elle me recommanda de la suivre dans ce monde formidable, magique et surnaturel. Ce dernier me transporta dans le monde fantastique sous l'océan Indien, dont la population est exclusivement féminine. Les dames de ce monde mystérieux étaient identiques de par leur visage. Ces grandes dames de la mer appelées également des divas sont à vrai dire des sirènes des eaux. À la suite de cette visite, je me suis marié une de ces divas de l'Inde, nommée Chantal Maiglou. La sirène Chantal est la fille de la déesse Yumandja de l'Amérique. En plus de cela, elle était la servante de la sirène Virginie du Cuba. Et elle travaillait aussi pour la sirène de moteur. J'ai vécu quatre ans avec cette femme de l'océan et nous avons eu quatre ans enfants, qui sont des nymphes. Cette dame de la mer m'a montré comment appeler et invoquer les entités et puissances qui influencent le monde dans de divers domaines. Elle me dit il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, que ce soit la santé, la science, la force physique, la faveur, la sagesse. Elle m'a permis d'appeler et d'invoquer ces entités et forces invisibles pour intervenir dans toutes sortes de situations auxquelles je faisais face. Je me souviens un jour j'ai été agressé par un lutteur qui était aussi occultiste. J'étais dans le problème. Immédiatement je résita une incantation. En conséquence le diable apparut sous la forme d'un serpent à trois têtes. Et il a résolu cette situation en me tirant de là, au fur et à mesure que je vivais avec Chantal. Il me défendait certains nourritures et certains boissons, qu'elle trouvait nuisibles à ma santé et bien-être, car tout ce que nous avons sur la terre est envoûté et manipulé, et il y a des effets et des répercussions quand nous les utilisons. Raison pour laquelle elle m'empêchait de manger certains nourritures et de prendre certains boissons, Chantal me défendait d'aller dans certains lieux habités par le démon, tels que le boîte de nuit ou Terrasse, à cause des activités et de l'influence démoniaque, elle me révéla le secret du sel et du miel. Un jour, elle me dit. Je ne comprends pas les chrétiens, ils sont nos ennemis, mais pourtant ils suivent nos tendances et la mode qui nous appartient. Ils habillent comme nous et font les choses comme nous. À chaque fois que nous fabriquons quelque chose, ils courent pour l'avoir. Pourtant ils sont nos ennemis, bien-aimés. De toi et tourne le dos à ce monde de Satan, car tout ce que nous voyons dans ce monde contient le signature et le cachet du diable, les choses de ce monde lui appartiennent. L'une de difficultés que nous avons et que le pasteur et leur prodication tournent nos regards de constamment vers les choses de ce monde. Malgré tout, les pasteurs continuent de nous prêcher les choses de ce monde, et la théologie du bonheur terrestre. Il faut savoir que même l'argent du Fonds monétaire international et l'argent du sang, cela ne développe jamais un pays, il appartient au diable. En outre, le but principal des grandes dames de la mer et de sirènes de l'océan indien est le mariage contre nature. La plupart des serviteurs du diable tels que les sorcières et les satanistes, se marient aux sirènes et dames de l'océan indien, et ils produisent des enfants qui sont des démons aquatiques et hybrides. Le diable est entré de promouvoir le mariage contre nature entre les sirènes et les hommes afin d'augmenter la population démoniaque. Les enfants hybrides nés de ces unions contre nature ne sont pas des enfants ordinaires. Ils sont des démons hybrides et humanoïdes. Dans l'Antiquité, ce dernier était des oraux et des néphilimes, ces créatures hybrides qui ont été engendrées par des humains qui ont de relations avec des anges déchus. Les anges avaient le pouvoir de se matérialiser. De la même manière, les sirènes océaniques ont également le pouvoir de se matérialiser et s'accoupler avec les hommes terrestres, et donner des enfants hybrides. Ces enfants hybrides nés de l'union sexuelle entre les sorciers magiciens et le sirène physique ont également le pouvoir de se matérialiser. Compte tenu du fait qu'ils sont moitié humains et moitié démons, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et donc, bien que je sois séparé avec Chantal, je l'ai laissé avec quatre enfants que nous avions eus dans le royaume de l'océan Indien. Cependant, l'année dernière j'ai été visité par l'un de ces enfants, qui est une entité hybride classée comme nymphe. Cet enfant est issu de l'union entre un homme terrestre et un esprit sous-marin, néanmoins il est venu physiquement me voir et nous avons parlé. Vous pouvez vous demander comment, vous devez comprendre ceci. Chaque fin de la semaine, les morts et les sirènes des eaux viennent physiquement se détendre et profiter de la vie dans les bars et les boîtes de nuit physiquement. Cet enfant hybride de la mer est venu me voir pour me convaincre de retourner vers sa mère de l'océan Indien. Il m'a dit que les morts et les esprits des eaux sont partout dans la ville, mais la plupart d'entre eux sont venus voir un prêtre catholique. Je connais bien ce prêtre. Bien-aimé, le diable mène une guerre contre l'humanité, la Bible dit par conséquent, réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans le ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Dans un sommet mondial de satanistes à l'aube de ce nouveau siècle, le diable vantait et se vantait de sa victoire contre le royaume de Dieu. Dans ce rassemblement, il a dit à l'assistance, j'ai vaincu. Après des siècles de la proclamation et de la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu a échoué de sauver l'humanité, la population mondiale est toujours entre mes mains, nous avons l'avantage dans cette guerre et la bataille pour les âmes des hommes, la Bible a failli de sauver l'humanité, nous allons gagner cette guerre sur le sort des âmes humaines, dans cette réunion le pouvoir de l'air ont convenu avec le roi de la terre, de frapper l'humanité avec un cataclysme de proportion apocalyptique, ils ont déterminé le jour et l'heure de cette calamité. C'était en 2004 quand le tsunami frappa la terre. Le monstre aquatique a été bénéficiaire car il a dévoré et consommé 40 000 âmes. Ce monstre sort de l'océan au mois de décembre et retourne à l'océan après six mois à la surface de la terre en juin. Ce démon ressemble à une abeille. Par ailleurs le Père Noël est un démon qui est le précurseur de ce monstre marin. La couleur rouge de ses habits représente le sang humain qui doit couler dans la période du fin de l'année. Et la sirène Jésabelle est aussi très active pendant la période de célébration de la fin de l'année. Elle ensorcelle l'humanité, pour que ce dernier se concentre sur les achats des biens, des articles et la célébration. Beaucoup de gens sont tués de novembre à décembre, mais ils meurent physiquement en janvier, février, mars. Dans ce sommet à la veille de la nouvelle millionnaire le diable parla également de la guerre de religion. Je veux dire il décida de travailler dans l'église. Il est évident que le trône de Satan est placé dans beaucoup des églises. Il parla également de la guerre et enfin le divorce. Dans ce conflit et guerre spirituelle, les chrétiens doivent apprendre à se lever tôt, et à contrôler la journée à travers la prière matinale. En effet, chaque jour à midi, il y a une femme appelée la Reine du Sud, qui patrouille la terre à midi, elle est la souveraine du premier ciel, elle est responsable de beaucoup de maladies, la Bible dit, Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. En outre, un autre démon qui patrouille la terre à midi et pendant la journée est l'empereur de la mort. Cet esprit contrôle les hôpitaux et il boit du sang humain à l'hôpital. Un hôpital est un endroit où il y a beaucoup des activités démoniaques. Il faut éviter de dormir là-bas. Le pentacle calvaire de l'hôpital et le pentacle chevalière de la pharmacie sont des indications que le diable est profondément dans la médecine. Beaucoup de troupes de démons patrouillent la terre pendant la journée comme la nuit. De ce fait, il faut prendre en compte la prière matinale, le catholique font la prière appelée l'oraison dominicale, pour contrer sa puissance du midi, même le musulman prie plusieurs fois dans la journée, c'est ainsi que la Bible nous exhorte à prier sans cesse, en outre, il y a une dimension du monde souterraine appelée le monde Cromagnon. Quand ce royaume s'ouvre, un démon va sortir, mais avant la fermeture de la porte de ce monde, le démon doit revenir avec une âme qu'il est censé capturer à la surface de la terre. Ce démon est l'esprit de mort. Le juif offrait de sacrifices des animaux pour empêcher cet esprit de mort du monde de cromagnon de capturer des innocents. Dans ce conflit spirituel, la plus grande arme du diable est la tromperie, la seconde arme du diable est la peur, et la troisième arme du diable est le doute. Il a causé Adam et Eve de douter sur la parole de Dieu. Quand un sorcier vient dans la nuit pour attaquer une cible, il utilisera l'arme de la peur pour injecter la peur dans l'esprit de sa cible, une fois que la personne est pleine de peur. Il va alors attaquer. Par ailleurs, dans notre pays il y a une métropole astrale des sorciers cachée dans la région montagneuse et les collines. Cette ville spirituelle de sorciers appelée le monde Akaja est gouvernée par la sirène du fleuve Congo. Au nom de Catherine, chaque fois qu'un sorcier lui sacrifie une âme, elle ajoute les yeux de la victime à ses sorciers qui deviendra encore plus puissant. Les sorciers sont importants pour le royaume des ténèbres car le diable n'est pas omniprésent. Le diable travaille pour placer un sorcier dans chaque famille. Chaque enceinte, chaque rue et chaque quartier, cette structure est utile à Satan qui n'est pas omniprésent. Bon en plus de cela, il y a une catégorie de démons appelés esprits vagabonds. Ceux-ci sont des démons humanoïdes mais très courts. Ils sont ceux qui rapportent au diable tout ce qui se passe sur la terre. Ils sont les informateurs du diable. Ils rapportent au diable tout ce qui arrive dans le monde. Et comme je témoigne ici, ils vont aller m'accuser chez Lucifer. Ces esprits errants sont postés et stationnés dans des lieux publics. Comme le carrefour et le rond-point. Même au marché, ils sont sur les arbres, terrasses. Évitez de manger et de parler de votre vie dans la rue et le rond-point. Ces esprits et rentrent même dans l'église pendant le service. Mais ils sortent pendant l'adoration à cause de la présence de Dieu. Il y a un autre catégorie de démons appelés Felbus. Ils sont massifs et lourds. Quand ils sont stationnés dans le voisinage, le quartier va manifester des comportements négatifs et récurrents, comme le banditisme. Ils provoquent des comportements récacitrants dans le cadre du syncretisme. J'ai appris le voyage astral comme un cours dans l'occultisme. Il nous demandait de penser à un endroit spécifique avec concentration, ce de cette façon qu'on se retrouvait dans l'endroit où on pensait. Une fois que je sortais de mon corps, un démon y entrait pour l'animer. Ainsi donc, alors que j'ai effectué le voyage hors de mon corps, d'autre part mes amis et mes proches qui causaient avec mon corps, parlaient au démon qui l'habitait pour l'animer. Ce démon copiait d'une manière extrême ma voix. Ma démarche et de mes caractéristiques Souvent j'utilisais le tapis roulant pour effectuer de voyages interdimensionnels, en outre, pour contrer les sorciers. Il suffit de prier pour l'huile d'olive et puis ointre la maison, il ne pourra pas entrer. Si tu reçois un sorcier dans la maison, et tu pries pour l'huile d'olive et tu le mets dans la nourriture, il tombera certainement malade s'il mangeait cette nourriture. Les sorciers ne supportent pas l'huile d'onction. D'autre part, les toiles d'araignée dans la maison, les rouilles de toit et le rat sont des antennes de sorciers. Il faut éviter la saleté car ils osent attirer par cela. Ceux qui mangent et volent dans le rêve sont des sorciers inconscients. Il faut s'opposer à cela de peur de devenir un sorcier actif et conscient. Quand quelqu'un a la sorcellerie inconscient, les sorciers actifs vont déposer en lui des semences et de capacités qui sont des armes destructeurs. Ces gens qui rêvent qu'ils mangent et volent la nuit, divisent facilement les églises et les familles par leurs paroles et attitudes. Beaucoup de sorciers se cachent à l'église, elles sont des alimeuses et de volcans, ils ont des paroles de haine. Ils sont viscerales, ils ont des semences qui se manifestent par des comportements durs. Après avoir vécu avec la sirène pendant de nombreuses années, je ne pouvais plus supporter ce genre de vie. En effet, aussi longtemps que je vivais avec cette dame de la mer, je ne pouvais plus épouser une femme terrestre. Mais à un certain moment, je voulais me marier et avoir des enfants comme tout le monde. En fait, j'avais une femme et des enfants auparavant, mais ce fut quand je me suis marié avec cette dame de l'océan Indien, elle est allée jusqu'à tuer ma femme et mes enfants, nous avons vécu pendant quatre ans, et nous avons eu quatre enfants, qui étaient des démons hybrides et aquatiques, après quatre années de mariage avec cet être surnaturel, j'en avais assez, et quand j'ai dit à Chantal que je voulais passer à autre chose, elle n'était pas préparée à cette nouvelle, alors elle s'est mise en colère, elle m'a demandé, Vraiment Es-tu sérieux Je lui ai répondu absolument. Chantal était allongée sur le lit, j'étais prêt à m'asseoir autour d'elle quand elle a haussé sa voix contre moi et me demanda de garder distance. Elle m'a dit Vous avez décidé de me rejeter, mais pensez-vous que Dieu vous acceptera Vous ne savez pas que vous êtes déjà rejeté par Dieu, vous êtes un humain et pourtant vous avez épousé un esprit, ceci est un mariage contre nature et une relation interdite, Dieu vous a déjà rejeté, il ne vous acceptera pas, me dit la sirène, puisque vous avez décidé de nous quitter. Laissez-moi vous avertir, vous n'allez pas dire au monde nos secrets, vous ne révélerez pas nos mystères au monde, me dit-elle, eh bien je vais te laisser, j'aurais pu te tuer, mais je ne veux pas le faire, mais tu vas quand même souffrir, je te déposséderai de tout ce que je vous ai donné, je ne vous laisserai rien. Chantal me dit, il est vrai que tu as décidé de nous quitter, mais tu dois comprendre que tu es à nous, car selon la loi tout initié reste membre, même après qu'il soit parti, alors Chantal me cacheta de l'orceau sur ma chair pour indiquer que je leur appartiens. Ensuite elle me dit, j'aurais pu vous tuer mais je ne vais pas le faire. Néanmoins, voici votre punition, vous allez commencer à saigner dans votre bouche et votre pénis régulièrement, comme les menstruels de femmes. Quand je me suis séparée de la sirène, elle a pris l'argent, la sagesse et la santé, elle cacheta mon jambe avec leur seau pour me rappeler que je les appartenais. Après la séparation, la sirène a emporté la richesse et la santé. En conséquence il y a eu un flot de problèmes de toutes sortes qui se sont abattus sur ma vie. Immédiatement après la séparation avec la sirène, j'ai commencé à chercher la délivrance. J'ai rendu visite à un pasteur, ce dernier a essayé de me délivrer. Mais la sirène chantale a intervenu, et elle a contre-attaqué. En conséquence il y eut une violente bataille entre le pasteur et la sirène. Le vitre de la maison s'était brisé, il y avait des manifestations paranormales. Deux fois quand un pasteur chasse les démons. Ce dernier retourne pour riposter et détruire le vide de ses enfants ou de se parenter. Souvent une fois qu'un démon est chassé d'un corps, il peut entrer dans le cheveu, surtout s'ils sont de cheveux artificiels, il peut également entrer dans le collier, bijoux et net, il peut aussi entrer dans le fil du courant électrique, alors que j'étais dans la permanence de cette église pour la prière de délivrance. La sirène chantal fut irruption et m'envoûta, puis elle me dit de tuer le pasteur, mais cet homme de Dieu était authentique. Je t'ai supposé demeurer dans la permanence pour la prière mais je t'ai pas constant. Quelques semaines après ma séparation avec Chantal, j'ai vu un jeune homme qui était un lutteur, il est venu pour m'informer que les accusations et des voix se levaient contre moi dans le pandémonium. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré une dame chrétienne qui voulait prier pour ma délivrance, pourtant elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Étant donné qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine, elle n'aurait pas dû essayer de me délivrer. C'était quand elle priait pour ma délivrance qu'il y eut contre-attaque, par conséquent, elle fut frappée de la folie. Aussitôt, les gens du quartier qui étaient témoins de ce chose m'ont capturé, immédiatement ils ont appelé la police. Dès que la police est arrivée, j'ai été arrêtée, ils m'ont transporté dans la station puis ils m'ont interrogé sur ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué que cette sœur qui n'était pourtant pas expérimentée dans le ministère de la délivrance, insistait tout de même pour me délivrer. Mais cependant elle n'avait aucune expérience. Puis les autorités m'ont arrêté, après quelque temps, ils m'ont remis à un homme de Dieu éminent dans la ville, ils lui ont demandé de me délivrer, même si je n'étais pas d'accord avec cela, arrivé à l'église de ce pasteur, nous étions alignés et on nous instruit d'avouer chacun sa sorcellerie. Alors que j'étais là parmi ces personnes accusées de sorcellerie, j'ai commencé à faire des incantations, j'ai contacté la sirène Chantal. Immédiatement, je suis entré en contact avec elle. Elle m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit que j'étais accusé de sorcellerie. Et bien que je ne suis pas un sorcier, je suis obligé de venir à cette église pour la délivrance. C'est l'humiliation. Elle me demanda Vous êtes vraiment sérieux J'ai dit Absolument. Alors Chantal me dit Je ne peux venir à la surface de la terre que par le mariage ou l'alliance. Ainsi, je ne peux pas venir personnellement pour vous aider, parce que nous sommes divorcés. Mais laissez-moi demander à mon chef de moteur afin qu'elle puisse venir vous aider et vous sortir de là. Ensuite Chantal a contacté son chef de moteur, qui lui a informé qu'elle était en pleine visite, chez un musicien congolais populaire de notre pays, qui était son partenaire. Chantal me dit, aussitôt qu'elle finit avec votre musicien, elle va venir vous sortir de cette situation. Demoteur est une sirène du monde souterraine, elle est une grande dame, elle est mariée à l'un de nos musiciens, dans la mythologie grecque. Demeter est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle est la fille du titan Chronos et de son épouse Réa. Elle est la sœur du dieu de l'espace Zeus, et de Poséidon le dieu des eaux. La sirène Chantal me dit, une fois que mon chef Demeter quitte le maison de votre musicienne elle viendra vous aider. Puis Chantal m'a dit de commencer à réciter la prière de notre Père qui est au ciel. Immédiatement j'ai commencé à réciter le Notre Père qui est au ciel. Je l'ai fait sept fois dans les toilettes afin de voir le résultat. Elle m'a également ordonné de réciter le psaume spécifique. Dans l'occultisme les prières bibliques et le passage biblique sont tordus et abusés. Alors que j'étais dans cette église, de moteur la sirène du monde souterraine est arrivée. Par conséquent il y eut un vent fort qui se mit à souffler dans l'église, le pasteur m'a regardé, puis elle a levé les yeux en l'air. En fait, la sirène de moteur était suspendue dans l'espace. Le pasteur me demanda à propos de ce qui était dans l'espace. Je lui ai dit que j'ai appelé une intervention, puis le pasteur me dit, comment pouvez-vous appeler des sirènes dans l'église elles n'ont pas le droit de venir ici. L'avez-vous appelé pour me combattre Alors le pasteur me dit, Comme tu n'es pas prêt nous ne pouvons pas faire la prière de délivrance, ce dernier me libérera, pendant tout ce temps j'ai continué à saigner dans la bouche et le sexe, alors que je souffrais de la punition et sanction de la sirène, j'ai commencé à décrire des lettres pour que le monde de Satan enleve ce sanction, j'ai envoyé un ami qui rencontre le diable fréquemment pour plaider pour moi, mais j'ai continué avec cette souffrance. Ce fut quand j'ai commencé à témoigner, dans cette chaîne YouTube, qu'une servante de Dieu qui suivait mon témoignage depuis l'Angola m'appela au téléphone. Elle me parla au téléphone sur Jésus-Christ, puis elle a commencé à prier pour moi au téléphone. Chaque mois, elle me parlait de Jésus et priait pour moi. En fait, elle m'envoyait de l'argent dont elle avait prié dessus, et alors qu'elle priait régulièrement pour moi au téléphone, à la suite de cela le saignement s'arrêta. Je fus délivré du châtiment de la sirène. Puis mon organe génital qui ne fonctionnait plus a commencé à marcher, ensuite elle me dit, L'une des enfants que vous avez eu avec la sirène des eaux va vous rendre visite, pour vous retourner en contact avec ce monde-là, mais vous ne devez pas accepter cela. Je me souviens peu de temps après ma séparation avec Chantal, un jour je me détendais autour d'un pont suspendu sur une rivière, quand soudainement cette sirène m'a attaqué, elle a essayé de m'étrangler, Dieu merci dans ma poche j'avais du sel, quand je jetais du sel sur elle. Elle poussa un cri infernal, et a disparu. Quand elle a poussé ce cri, c'était comme si les tympans de mes oreilles avaient éclaté. Ce fut un dimanche dès que l'une des enfants que j'avais engendrée avec la sirène Chantal me rendu visite, justement comme la servante de l'Éternel l'avait prodit depuis l'Angola, bien qu'elle avait dit que ce sera ma fille, mais ce fut mon garçon, malgré tout, sa prophétie était tout de même accomplie. Dès qu'elle est venue, nous sommes entrés dans une terrasse, on se mit à dialoguer et se détendre. Puis il me dit, beaucoup des gens que vous voyez à la rue sont des esprits et des morts, mais ils ne sont pas venus pour vous. La plupart de ces gens sont venus rendre visite au prêtre catholique que je veux rencontrer plus tard. Après avoir tenté de me convaincre de retourner à sa mère de l'océan Indien, il alla voir le prêtre et passa beaucoup du temps avec lui. Mais ce jeune garçon, qui était un des êtres aquatiques appelés nymphes n'était pas un homme de ce monde. Il est venu tout droit du royaume situé sous l'océan Indien. Chaque fois qu'il y avait une réunion dans le monde des ténèbres, le diable envoyait son messager qui est l'ombre de l'ange Gabriel, au nom d'Hermétris Mégistre, qui était aussi adoré dans l'Égypte ancienne comme Toth, le seigneur de l'apprentissage et de la sagesse. Reconnu dans le grec ancien comme l'émissaire et le messager des dieux, il est toujours envoyé sur terre pour communiquer le programme de Lucifer aux satanistes qui sont appelés le roi de la terre. Dans le passé, le pasteur Mutombo fut attaqué par Satan, qui envoya Hermès tri-magistre contre lui, mais il ne pouvait rien contre l'homme de Dieu. Dans le royaume de Lucifer, il y a un faux Jésus. Il est l'usurpateur de Jésus-Christ. Il est un puissant ange déchu au nom de Jupiter ou Zeus. Il est celui qui est représenté comme l'enfant Jésus-Christ porté par Notre-Dame la sainte Vierge Marie. Il est le dieu de la guerre. Partout où il passe, le sang coule. En 1994, il apparut avec sa mère la Sainte Vierge Immaculée au Rwanda, comme conséquence il y eut aspersion du sang dans le génocide. Laissez-moi mentionner la musique parce que c'est un canal utilisé par Satan pour ensorceler notre pays, la plupart de nos musiciens dans ce pays sont dans l'occultisme. Quand ils chantent leurs chansons ils ensorcellent les gens, en fait quand ils chantent leurs chansons ils récitent des incantations, invocations et la formulation magique, en conséquence les gens qui écoutent leur musique sont ensorcelés, manipulés et maudits. Le diable utilise leur musique comme une porte et un outil par lequel il affecte la moralité des gens dans ce pays, cette musique favorise l'immoralité sexuelle et la débauche. Ces musiciens sont des évangélistes de Satan, le musicien Franco a chanté pour une dame au nom de la princesse Kiku, dont tout le monde pensait être sa copine. Mais à vrai dire cette dame au nom de Princesse qui était une sirène, une sirène de l'immoralité sexuelle et de la dépravation, les gens pensaient qu'il chantait pour un être humain mais en réalité il chantait pour une sirène de débauche, le musicien au nom de Vérasson a chanté une chanson au nom de l'opération Dragon. Dans cette chanson il demande aux dames de danser avec leur ventre dehors en honneur du dieu soleil, un ancien musicien qui est maintenant né de nouveau à chanter une sirène qui est la femme de Satan au nom de la reine Maya qui est la femme et la déesse de Lucifer. Nous avons pensé qu'il chantait pour une femme qui était sa petite amie, mais nous savons maintenant qu'il chantait pour une sirène très puissante du monde de Pandemonium, qui est mariée à Lucifer, et qui s'appelle Amaya. Ces chanteurs profanes sont des satanistes et des évangélistes du diable. Le chanteur Kofi a chanté une chanson appelée Abracadabra qui est une formule satanique, et une dimension dans le royaume de Lucifer. L'un des nos musiciens a répété la lettre V trois fois, il répétait VVV, les gens ne savaient pas que V est égal à 6 et que VVV voulait dire 666. C'est de cette façon que la jeunesse de ce pays est manipulée et ensorcelée. L'autre musicien inventait le nom caché de Lucifer quand il le cita dans sa chanson. Les femmes doivent éviter d'exposer leur ombilique. En revanche, il y a un musicien congolais qui par ses chansons encourageait les femmes à exposer leur ombilique, qui eut pourtant une porte d'entrée dans l'âme qui permet aux démons et sirènes d'entraîner les femmes dans l'immoralité sexuelle, il faut noter que le rond-point et bifurcation des avenues sont de lieux de rassemblement de sorciers et des aéroports sataniques, où les avions de sorciers atterrissent. le rond-point victoire, de Kineshasa est un aéroport où le diable atterrit son avion, un autre musicien a chanté sur le grimoire, or dans la grimoire il y a trois démons qui sont, Satan, Astaroth et Beslisbul qui étaient à la base de la rébellion et l'insurrection dans le ciel. D'autres par le musicien congolais Verazon a bien dit, le monde nous appartient il n'appartient pas aux chrétiens.